Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, parce que je comprends que tu es peut-être oublié. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment prendre les bonnes décisions? Ça, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour les entrepreneurs, même pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs. On arrive toujours à des croisements de vie où tu te dis, OK, quelle décision je prends? Quelle est la bonne décision? Quelle est la meilleure décision pour moi, pour mon business, pour mon avenir? Donc, je vais partager avec toi deux astuces pour pouvoir te permettre de prendre les bonnes décisions. Première astuce, il faut que tu fasses tes objectifs. Super important. Tes objectifs, en fait, ils vont te permettre de te driver et te permettre de ne pas te défocus ou de ne pas sauter sur des opportunités qui vont en fait tout simplement t'emmener à l'opposé de ton objectif. Et je m'explique. Par exemple, imaginons que tu as dit, voilà, dans 6 mois, je veux perdre 10 kilos. Si jamais dans 6 mois, tu veux perdre 10 kilos, imaginons que tu arrives au restaurant, on te propose un millefeuille. Bon, ben, le millefeuille, sous le moment présent, belle opportunité, j'ai envie de te dire. Hein, ça fera toujours plaisir de manger un petit millefeuille, gratification immédiate. Mais est-ce que manger ce millefeuille va te rapprocher de ton objectif? Non, ben, la réponse, elle est non. Et donc, du coup, pour le business, c'est pareil. Souvent, on a plein d'opportunités qui arrivent. J'en ai plein qui arrivent. Et même pour moi, c'est difficile. Et je me recadre toujours par rapport à ça. OK, peut-être il y a de l'argent à faire là, mais est-ce que ça me rapproche de mes objectifs? Et la réponse, elle est non. Par exemple, moi, je veux m'expatrier, je veux partir au Canada ou en tout cas dans un pays anglophone. Donc, si jamais on me propose une opportunité de développer un business, que ce soit en France ou en Guadeloupe, bah du coup, même si c'est une belle opportunité, bah je saurais que non, ce n'est pas la bonne décision à prendre parce que ça va me défocus de mon objectif. OK? Donc voilà, toujours avoir un objectif. C'est pour ça que la plupart des gens, ils partent en sucette dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Donc du coup, ils vont, dès qu'ils voient une opportunité, ils sautent dessus et voilà, ils vont de gauche à droite comme ça. Donc voilà comment prendre une bonne décision. Deuxième astuce, c'est alors c'est un peu similaire à la première astuce, c'est toujours voir long terme. Tu vois, par exemple, imaginons que tu es entrepreneur, tu dises OK, tu hésites entre investir en pub ou embaucher des salariés, par exemple. Il faut que tu te poses la question, OK, la personne que je serai dans 6 mois ou dans 1 an, quelle décision elle aurait prise? Ou la décision que je vais prendre, quel impact ça aura sur mon business ou sur ma vie future? Donc, une fois que tu te poses des questions comme ça, le fait de voir vraiment long terme va te permettre de prendre des bonnes décisions. Au lieu, par exemple, de prendre une décision sur une opportunité, peut-être qui va te rapporter de l'argent sur 6 mois, mais qui ne va pas t'aider à développer ton business ou de partir sur, par exemple, la création d'un nouveau business qui va te défocus de ton business actuel parce que tu vas t'éparpiller sûrement et du coup, qui va te ralentir dans tes objectifs, eh ben, tu sauras que voilà, ce n'est pas la bonne décision. Donc, toujours essayer de penser, OK, cette décision-là, quel impact ça aura dans mon futur? Ou par exemple, si jamais on te propose de racheter ta société. Ta société, tu viens juste de la faire, elle est naissante. Tu te dis, OK, on te propose un bon billet. Tu te dis, ah ouais, super, ça me fait de l'argent tout de suite. Mais si tu penses long terme, tu vas dire, OK, ben non, dans cette société-là, je viens de la faire, dans 5 ans, elle en vaudra peut-être 10 fois plus. Donc, en prenant ta décision long terme, tu vas savoir, OK, ben, c'est beaucoup mieux si jamais j'attends un peu et que je la revende dans 5 ans, mais de la vendre tout de suite, qui évidemment va te rapporter du cash, mais beaucoup moins si jamais tu avais pensé long terme. Donc, dans toutes tes décisions, et ça, c'est d'une manière générale, pense toujours long terme, pense toujours long terme. On croit souvent que les années, ça passe pas vite, etc., mais ça passe super vite. Donc, vaut toujours penser long terme, c'est ce que les plus grands, les plus millionnaires, les plus grands milliardaires, etc., c'est de cette manière-là qu'ils réfléchissent toujours long terme. OK? Donc voilà, c'était mes deux astuces pour pouvoir prendre les bonnes décisions. J'espère que ça t'aura aidé. OK? Si jamais tu as une expertise, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'argent, c'est-à-dire bourse, immobilier, tu sais comment faire de l'argent, ou dans les relations, d'accord, que ce soit thérapeute, sexologue, tout ce que tu veux, OK, je peux t'accompagner pour pouvoir vraiment doubler, tripler ton chiffre d'affaires et avoir énormément de clients avec un système automatisé. Donc, si jamais tu as une expertise qui est dans ces trois domaines, d'accord, santé, relations et argent, clique sur le lien juste en dessous pour pouvoir avoir une session offerte avec moi et on va discuter ensemble pour voir comment tu peux développer ton business. Je vais en fait t'exposer une stratégie qui sera personnalisée à ton business pour pouvoir te permettre de te développer encore plus. OK, d'ici là, les gars, prenez soin de vous et nous, on se dit à une prochaine vidéo.